Bonjour, on s'est tous fâchés un jour avec un plat ou un aliment pour des bonnes ou des mauvaises raisons. Objectif de cette émission, vous réconcilier avec votre palais. Bienvenue dans un nouveau numéro des goûts et des couleurs. Rencontre dans ce numéro avec Evelyne, Marie-Hélène et Cyril. Tous les trois sont fâchés, très fâchés avec des petits gastéropodes, les escargots. Au chef du bouchon du Ferret, Éric Jolibois, de les réconcilier dans l'assiette. Et le chef, c'est lui, Éric Jolibois. Après avoir emmené ses casseroles et son talent à Paris dans des prestigieux établissements comme le Bristol ou le Drouan, mais aussi une étoile au Michelin à Londres, retour aux sources, ici au Cap Ferret, où depuis plus de deux ans, il se régale et nous régale au bouchon du Ferret. Au programme aujourd'hui, les petits gris, les gros gris, l'escargot est de la partie. Le bassin est vraiment une région très attractive. La principale raison est que mes parents habitent ici, à Lenton. Voilà. Et la deuxième, que je vais installer un restaurant ici, qui ne s'est pas fait. Et j'ai eu une très belle rencontre avec David Laforgue et Jonathan Gomez, qui m'ont proposé de venir comme chef au restaurant Le Bouchon. Et là, je peux vous dire qu'effectivement, c'est une très, très, très belle aventure. Alors, chef, c'est quoi la particularité de l'escargot ? C'est vraiment un plat vraiment du terroir, et quand je dis du terroir, donc qui a un goût de terre. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas beaucoup les escargots, parce que ça a souvent un petit goût de terre. Et ce petit côté gélatineux de l'escargot, si on ne sait pas le bien cuisiner, au final, ça fait un plat assez, assez rebutant. Alors chef, qu'est-ce que vous nous mijotez de bon avec l'escargot ? Je suis parti sur une idée de terrine de veau, de mousseline de veau, hein, farcie aux escargots, accompagné d'une vinaigrette à la pistache. Le deuxième plat, ça sera des escargots en tempura, donc qui seront roulés dans une chapelure de persil. J'ai accompagné tout ça de lentilles au tandoori pour faire une explosion de goût. Et la troisième recette, j'ai préparé sur le thème des oignons des Cévennes, justement, qui est un oignon qui a la particularité d'être très doux, qui est farci aux artichauts et aux escargots. Tout ça, elle sera accompagné d'une compote d'oignons des Cévennes caramélisée, puisque tout est utilisé en cuisine. Il n'y a aucune perte. Si on a justement cet amour qu'on transmet, que ça soit pour cuire un poisson, cuire un escargot ou le préparer, et bien cette transmission, elle se ressent quand les clients viennent le goûter. Je suis confiant parce que je suis heureux de partager ce que je vais transmettre. Marie-Hélène, Evelyne et Cyril ont décidé de relever le défi. Le désamour entre eux et l'escargot ne date pas d'hier. Rien à faire, ça coince depuis longtemps. Alors, je m'appelle Evelyne, je suis retraitée. J'aime bien faire la cuisine, j'essaie de faire des choses un petit peu sophistiquées. Mais voilà, l'escargot, j'ai essayé une fois et je crois que ça m'a guéri. J'ai essayé de les faire dégorger, j'ai eu de la bave pendant je ne sais combien de temps et j'ai tout jeté parce que pour moi, c'était pas possible. Et depuis, j'en ai remangé une seule fois et j'ai vraiment pas trouvé ça bon. Bonjour Cyril. Bonjour. Alors, présente-toi en quelques mots. Alors, je m'appelle Cyril, j'ai 21 ans et je suis actuellement en service civique sur Bordeaux. L'escargot, je l'ai goûté une fois étant enfant. Enfin, deux fois. La première fois, ça allait. La deuxième fois, c'était juste plus possible d'un coup. Tout ce qui est la texture, le goût, non, ça passe plus. Comme j'aime beaucoup le hasard et les problèmes à régler, j'ai envie de voir comment ça va se passer et est-ce que c'est une mission impossible ou pas. Je vais me faire aimer ça. Je m'appelle Marie-Hélène et je suis retraitée. Quand j'étais enfant, jeune, et non, je faisais le rejet total, c'est-à-dire que je refusais d'en manger. Ce truc me répugnait, quoi. Cet animal gluant. Je vais goûter peut-être, si on ne voit pas trop les cornes. Ce sera une révélation si vous me faites aimer les escargots. Allez Eric, au boulot, il faut maintenant faire en sorte d'oublier cet escargot infréquentable et de le valoriser à table. Éric Jolibois, si ça c'est pas un joli nom de famille quand même, ici en face de la dune du Pilat,
au Bouchon, au Cap Ferret. Parlez-moi de ces escargots, parce que cocorico, ils sont de la région, ils viennent du Médoc. Exactement, je suis allé les chercher à Saint-Laurent-du-Médoc. Alors Eric, premier plat, attention, nous allons déguster ensemble des raviolis d'escargots, émulsion, ail et artichaut. Tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est très simple. On a des artichauts poivrades, des petits artichauts poivrades, vous voyez, qu'on va tourner. On va cuire en barigoule. Donc, cuire en barigoule, qu'est-ce que c'est? Cuire en barigoule. C'est tout simplement cuire avec un peu de coriandre, déglacé au vin blanc, huile d'olive, thym, ail, laurier. Et voilà, tout ça va donner ce parfum, cette acidité qui va balancer les escargots. Justement. Et on utilise également l'oignon des Cévennes. L'oignon des Cévennes qui a une particularité d'être très doux. Finalement, ce qui est génial, c'est que ces escargots qui parfois ont ce goût terreux, bah, vous allez réussir à les camoufler tout en valorisant leur goût grâce à la douceur de l'oignon et également grâce à l'aspect acide de l'artichaut. Exactement, exactement. Au boulot. Alors, on récapitule, l'oignon remplace la pâte des ravioles et apporte la douceur et l'artichaut, l'acidité, parfait avec l'escargot. Attention, deuxième plat, alors là, émulsion dans la bouche au programme pour nos trois participants. Hein. Oui, exactement, pour ça faire va, un accord ternaire. Dans la bouche, accord ternaire, lentilles qui viennent d'Auvergne, un beignet donc d'escargot aux lentilles tandoori. Alors ces lentilles, elles vont cuire une demi-heure? Ces lentilles vont mijoter pendant une demi-heure. Pour gonfler et puis pour prendre tout ce parfum de tandoori et de garniture aromatique et du thym que j'ai incorporé dedans. Tout ça pour arriver à une texture très fondante. Alors Eric, pour accompagner ce lit de lentilles, les voilà les futurs beignets. Vous avez sorti nos petits escargots du Médoc, vous les avez enroulés. Dans cette chapelure. Alors, on est dans cette chapelure. Voilà, le fait de retrouver cette chlorophylle dans une chapelure, j'ai trouvé ça intéressant. Tout simplement parce qu'on aura vraiment cet aspect croustillant qui va enlever complètement cet aspect gélatineux de l'escargot. Exactement. Ce qui d'ailleurs, hein, pour nos trois participants, est un des arguments hein, c'est qui ça, fait qu'ils sont un peu dégoûtés par l'escargot. Ouais. Et à cela, un petit carpaccio de Saint-Jacques qui viennent tout droit de Normandie. Exactement. Un accord mer-terre, des oignons des Cévennes, de l'escargot du Médoc, des lentilles d'Auvergne. Eric Jolibois mise sur des produits 100% français. Le troisième plat, la fameuse terrine. Voilà. Une terrine dans laquelle vous y incorporez du pastis. Du pastis et de la crème de mûre. Et pour cause, alors la crème de mûre apporte l'onctuosité. Exactement, la crème de mûre apporte l'onctuosité et le pastis, ce côté fraîcheur. Les escargots, qu'ils viennent du Médoc ou ailleurs en France, on en fait toujours toute une histoire dans notre pays. Pourquoi, comment les escargots? Élément de réponse avec Marie-Luce. Ne pas aimer l'escargot, c'est absolument incroyable parce que c'est quand même l'un des emblèmes de la gastronomie française. On peut même dire qu'avec les cuisses de grenouille, ça fait partie de ce que l'on nomme notre exception culturelle. On sait que les hommes préhistoriques mangeaient des escargots. On sait aussi que les Romains et les Grecs en raffolaient. Comment il est arrivé sur la table française et qu'il est devenu ce plat absolument prisé, ça date de 1814. En 1814, le ministre des Affaires étrangères, qui n'est autre que Talleyrand, il a un cuisinier très célèbre qui est Antonin Carême. Antonin Carême, il est bourguignon et Talleyrand lui demande de préparer un repas pour le tsar de Russie, Alexandre Ier. Et il a l'idée de farcir des escargots avec de l'ail et du persil. Le plat fait un tabac et il devient très très à la mode. Sur les tables des nobles français, il se propage partout. Et c'est ainsi qu'il est devenu ce mets absolument prisé. Alors aujourd'hui, il y a mille et une façons de préparer, de cuisiner l'escargot. C'est tout un patrimoine que connaît très bien Eric Jolibois au Bouchon du Ferret. Et je suis sûre, mais certaine, qu'il va vous faire aimer l'escargot. Allez, il est temps de découvrir les trois recettes pour nos participants. Ils l'ignorent encore, mais le chef est juste derrière eux. Attention, il est temps de déguster. Ça va les filles? Ça va jeune homme? Jusque-là. Jusque-là ça va? Jusque-là, tout va bien. Théo vous apporte le premier plat concocté par le chef. Il y a de l'escargot
qui vient tout droit du Médoc. Marie-Hélène. Je sens que Marie-Hélène... Les accompagnements, ça va. Les accompagnements, ça va. Ah, les voilà. Ça y est, j'ai une bête. Dit Evelyne. Les escargots sont dans les... de l'oignon. Bravo, dites donc, Marie-Hélène. De l'artichaut pour y apporter de l'acidité, de l'oignon pour y apporter de la douceur. Bon, j'ai la sensation que vous tournez un peu autour de l'escargot. Nous sommes maintenant sur le deuxième plat avec Marie-Hélène, Evelyne et Cyril. Plat préparé par Éric Jolibois. Il y a toujours un peu la texture de l'escargot. Toujours. La texture est quand même très particulière. Ouais. Après, niveau goût, bah là, on le sent moins, donc c'est... pour moi, ça passe. On est loin de la cagouille charentaise, là, quand même. On est un petit peu loin de la cagouille charentaise, mais la texture est quand même un petit peu la même. Effectivement, c'est plus écrit. Il est peut-être recommandé d'essayer de croquer un petit morceau d'escargot avec... Voilà. Les coquilles Saint-Jacques sont très bonnes. C'est sûr. Les lentilles aussi, hein. Parce que moi, je trouve toujours ça très fin de l'escargot. Hein. Oui. Oui, mais avec tout le reste, ça va bien. Même si on a essayé de le camoufler pour du verre. Le goût, ça va. C'est la texture est toujours un peu difficile. Et oui. Moi, je vois l'assiette de Cyril. Oui. Depuis l'enfance, quand est-ce que vous aviez mangé un escargot? Jamais. Jamais. C'est chaud ou froid? C'est chaud. Ah non. C'est de la glace. Ah oui. À droite, c'est chaud. À gauche, c'est de la glace. Ça, c'est très bon. C'est de l'escargot, là. Non, c'est pas de l'escargot. Ah, bien si. Je vous confirme que vous êtes totalement en train de manger de l'escargot. Totalement. Ah, c'est parfait. Ça, c'est original. Hein. Plein de textures, plein de goûts différents. C'est aussi bien. Absolument. La texture n'est pas du tout pareille. Alors, bon, allez, je tente là. Je tente parce qu'il n'est pas du tout spongieux comme d'habitude. Là, il est vraiment fondant, en fait. Est-ce qu'on pourrait avoir d'autres escargots? Alors, Marie-Hélène, on dirait que ça passe bien. Marie-Hélène, Cyril, Evelyne, voici Éric Jolibois, celui qui a bossé pour vous dans cette émission. Éric. Et merci. Bon, alors évidemment, la première question que tout le monde se pose, il y avait quoi dans ces trois plats pour résumer? Voilà. Donc, dans le premier plat, qu'est-ce que vous pouvez dire? Ah, c'était très très bon, les légumes étaient parfaits. Oui. Donc sur l'oignon des Cévennes, qui était doux, accompagné aux escargots. Une cuisson parfaite, un peu, juste encore un peu croquant. Ouais. Et, voilà, le petit artichaut, ça c'était délicieux. Le petit artichaut était très bon. C'était vraiment parfait. Deuxième place. Deuxième, avec les lentilles. Lentilles Saint-Jacques, escargots. Bah, franchement, c'était surtout le visuel déjà était très bien. Et puis, le mélange de toutes les saveurs était très 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 très, très intéressant. C'est juste que là, encore une fois, il y avait l'escargot qui était entier. Oui. Et même s'il y avait la panure qui était très bonne, quand on arrivait à croquer dans l'escargot lui-même, c'est trop bon. Alors ce troisième plat a plutôt plu, a même surpris entre cette partie, on va dire, un petit peu mousse, et cette partie un peu plus terrine. Ah oui, c'est une mousseline de veau. Et la mousseline avec l'escargot, ça passait très très bien. Voilà, c'est mélangé avec une duxelle de champignons. J'ai mis un tout petit peu de sel dedans pour renforcer le goût du champignon des bois. Et puis la glace, la glace. Oui, pour retrouver le goût de l'escargot. Ensemble, vraiment, l'escargot. Là, on oublie qu'il y a des escargots. Il y a le problème gélatineux ou le problème de croquant. Tout le reste, il fondait tout seul. Oui. Ah oui, c'est mérité. Bravo. Il y a une créativité, Une recherche, une recherche, une créativité. Non, c'est magnifique. Ah ben merci, merci beaucoup. C'est vrai que là, avec l'escargot, j'avais plutôt un petit a priori contre, mais finalement, c'est très bien passé. Hein. Je m'y attendais pas. Voilà. Tous les plats étaient magnifiques, absolument. Là, esthétiquement, là, la présentation, on est à un autre niveau, quoi. C'est de la vraie bonne cuisine. On a affaire à un grand chef, là, quand même. Hein. On ne savait pas où il était.
Mais on savait que l'escargot serait là, du coup. On a fait un pas de géant. Le troisième plat, ça n'a pas été mon truc. Mais je me suis rendu compte, c'est vraiment la texture qui est pas pour moi. Mais en fait, une fois qu'il était soit camouflé ou qu'il y avait quelque chose qui annulait entre guillemets, le problème de texture, ça allait très bien. On est sûr de ce qu'on envoie, mais on n'est jamais sûr du palais des gens et de faire aimer. Et c'est vrai que le résultat final, c'est toujours gratifiant de savoir que le travail était récompensé. Il n'est pas toujours. Voilà, il faut savoir accepter aussi ça. Je suis peut-être un peu réconciliée, mais je ne suis pas sûre que je mange ça très très souvent. C'est magnifique visuellement et puis c'est bon. Là, le métier de cuisinier, tous les matins, on se remet en question et puis on goûte tout. C'est dans les textures, si c'est bien assaisonné. Voilà, et à chaque service, il faut que ça soit réglé. Et vous, avez-vous un plat, un aliment en horreur? Avez-vous envie de participer à l'aventure? Contactez-nous. La cuisine, c'est comme la vie, c'est une question de goût et de couleur. À bientôt dans un autre lieu avec un autre chef.